Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre que ça se connecte sur tous les... Voilà, ça s'est connecté partout. Bonjour à toutes, j'espère que ça va bien. Nadia, j'ai hâte, première fois pour l'arder. Oh, alors, vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. Donc, je vous rappelle ce que l'on va commencer aujourd'hui. C'est un projet qu'on va faire donc sur 3 émissions. On va faire les pantoufles Barba Papa. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, bonjour si vous ne connaissez pas encore la maison tricotée. Donc on est dans Tricoter son temps des fêtes qui va avoir lieu jusqu'à mi-décembre avec des petits projets, des tutoriels gratuits. Donc les pantoufles Barba Papa, si vous cherchez et que vous ne savez pas encore où aller chercher, le patron est sur le site de la maison tricotée. Donc vous tapez la maison tricotée, vous allez nous trouver. Et il y a aussi des kits qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pantoufles? Elles sont lardées. Et oui, on va mettre ce qu'on appelle des lardons de laine. En anglais, on appelle ça thrum. Donc, c'est des petits lardons. Ça va être des thrummed slippers. Ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que c'est vraiment le type d'accessoire de tricot qui est le plus chaud. On fait aussi des mitaines avec ça. Je les avais expliquées il y a 2 ans de ça. Vous pouvez sans doute les retrouver, les thrum mittens. Mais cette année, ça va être les pantoufles lardées. Si jamais vous avez froid l'hiver, je vous promets qu'avec ça, c'est terminé. Si vous travaillez à la maison et que voilà, les bouts du pied sont vraiment froids, les thrum slippers, il n'y aura jamais, jamais froid au bout des pieds. Et salut tout le monde, salut Camille, salut Viviane. Alors, le petit truc magique, hop, ça c'est l'extérieur. Et l'intérieur, j'adore, on a l'impression d'être dans les entrailles du monstre, regardez. Voilà, donc ça, c'est des thrums, c'est tous les morceaux. C'est fait avec quoi? Donc en fait, on travaille avec 2 types de fils. T'as oublié ton kit chez toi Camille, bah voyons, t'es au travail. Donc on va travailler avec 2 types de fils. On va avoir, ben, nous dans le kit, on a utilisé de la worsted et elle est tricotée en double pour que ça soit vraiment très résistant. Et on va travailler avec une autre type de fil, de la fibre qu'on appelle du roving. Alors qu'est-ce que c'est du roving ou laine cardée en français? C'est de la laine qui n'est pas encore filée, donc c'est vraiment la toison. Donc ça c'est de la toison qui a été teinte. C'est de la toison, alors n'allez pas essayer d'attraper un mouton puis de lui couper de la laine pour faire ça. Il faut aussi la peigner, donc c'est de la toison qui a été peignée et qui a été lavée. Camille dit, tes pantoufles tiennent debout toutes seules. Oui, tout à fait, elles tiennent debout toutes seules. Donc voilà, on va avoir besoin de ces 2 choses-là. Puis on va avoir aussi besoin d'aiguilles circulaires qui vont être très longues puisque c'est une paire de pantoufles qui est sans couture. Alors ça, c'est vraiment formidable quand c'est sans couture. Quand c'est terminé, c'est terminé. On rentre les fils et il n'y a pas besoin d'aller faire de la couture. Donc on va avoir besoin des aiguilles. Alors dans le patron, c'est des 5 mm. C'est bien, hein, c'est mon patron, je ne me rappelle déjà plus. L'Alzheimer me guette, les amis, l'Alzheimer me guette. Donc oui, c'est ça. Donc c'est des 5 mm. En 100 cm, ça va vraiment être le plus confortable. Moi, je recommande les Chiaogu parce que le câble est vraiment, vraiment très, 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 très souple. Et quand on travaille en Magic Loop, eh bien, on va vraiment avoir besoin d'avoir un câble extrêmement souple. Donc c'est mes aiguilles préférées pour travailler la Magic Loop, définitivement. Est-ce que les aiguilles de 32 pouces, ça va être suffisant? Oui, les aiguilles de 32 pouces, ça va être suffisant. Un petit peu moins confortable, mais oui, ça va être suffisant, ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, on va avoir besoin de ça. On va avoir aussi besoin de 4 anneaux repères. Et puis ben, c'est tout, d'accord? Alors, est-ce que je pourrais prendre quelques minutes à la fin de mon live pour nous expliquer l'art des chaussettes avec les smoky cables? Oui, tout à fait, Franck, ça va me faire plaisir. La seule chose, c'est que j'ai vraiment une mémoire à la Doris, hein, tu vois, j'oublie très très rapidement. Donc, Franck, n'hésite pas à me faire un petit coucou en disant « Hey, rappelle-nous, quel est le cours de l'art des chaussettes du mois d'octobre, d'accord ?» Donc c'est ça le matériel dont on va avoir besoin. Avant de commencer, juste je vous rappelle parce qu'on arrive dans la période des fêtes, puis nous on a plein de petites gugusseries qui arrivent et j'adore ça. Donc ceux qui ne l'ont pas vu dimanche dernier, je les remontre rapidement, ce qui m'en reste déjà plus beaucoup. Regardez, on a reçu des petits anneaux repères. Moi j'adore les pochettes en fait, je pense que je l'achèterais déjà juste pour la pochette, les Itty Bitty Kitties. C'est le travail de Firefly Notes et regardez, ça ressemble à ça.
Regardez comme ils sont mignons. Je vais les utiliser là dans mon cours, définitivement. Donc ça. Et puis, elle fait aussi des magnifiques petites boîtes émaillées pour mettre toutes nos petites gugusseries. Et là, mon coup de cœur à moi, celle que je vais me prendre pour moi, c'est vraiment le temps. C'est les champignons. Belle petite boîte. Et qui vient avec des anneaux repères qui me font mais complètement craquer. Ça, c'est pareil. Je pense que je vais craquer. Je vais me les prendre pour moi. C'est des petits anneaux repères émaillés. Il y en a 8. Deux de chaque. Alors, si je me rappelle bien, on a l'ammonite, la morille, la petite chanterelle. Et puis, on a le bolet qui est ici. Voilà, x2 dans chaque. Regardez, si c'est pas adorable, hop, on met ça dans la petite boîte de champignons. Si jamais vous êtes déjà en train de faire la wishlist des tricoteuses pour ceux qui ont envie de vous gâter à Noël, voilà. Donc ça, c'était juste mes petites gugusseries du jour que je voulais vous montrer. Allez, on commence, on a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc on va pas trop traîner. Les pantoufles, elles sont commencées par la semelle et on va faire ce qu'on appelle un Turkish cast on. Je suis désolée, je ne sais pas comment le traduire vraiment en français. J'ai pas vu ce nom-là, mais bon, si on y va littéralement, le montage à la turque, c'est un montage qui est vraiment, vraiment très, très facile. Donc, je suis là, hop, je vais prendre mes aiguilles circulaires, je vais prendre ma laine. Et je vais commencer simplement en faisant un petit nœud coulant sur l'aiguille du dessus. Donc on commence, un petit nœud coulant. Moi je me laisse toujours au moins 10 cm de laine parce que j'aime bien avoir du jeu pour bien rentrer mes fils. J'aime pas quand j'ai des queues de rats et je sais plus comment je vais faire pour les rentrer dans mon tricot. Une fois que j'ai fait mon nœud coulant, je vais le placer sur l'aiguille du dessus. Et on me demande par exemple de monter 52 mailles, je vais faire 26 tours. Donc attention, je ne vais pas faire 52 tours, je vais monter la moitié des mailles. Comment je vais faire? Je vais commencer avec le fil par en dessous et je vais venir entourer 26 fois autour de mes aiguilles. Attention, le nœud coulant, il ne compte pas pour une maille, on va l'enlever très très rapidement, d'accord? Donc je ne vais pas en faire autant parce que ça va faire un petit peu long. Mais on va aller faire quelques petits tours. Donc vous voyez, de manière réaliste, c'est vraiment très facile pour commencer. Voilà, donc j'ai entouré la moitié des mailles que je voulais tricoter. Je vais pivoter vers moi. Mon fil de la pelote est vers le bas. Et je vais tirer simplement l'aiguille du dessous. Hop, je fais attention que mon fil passe par-dessous. Et je vais commencer, je vais tricoter la maille qui est sur le dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a monté la moitié des mailles? Eh bien, chaque loupe autour de nos deux aiguilles, elle va se diviser en deux. C'est-à-dire, je vais tricoter la partie du haut sur l'aiguille du dessus, puis la partie du bas sur l'aiguille du dessous. Ça va se diviser en deux, d'accord? Donc, j'ai placé mon fil par en dessous. Et puis, je vais commencer à tricoter tout simplement à l'endroit. Hop, je vais venir tricoter ces mailles-là. Hop, on resserre un peu. Donc c'est normal, d'accord, si j'ai une partie des mailles sur le fil en dessous. C'est tout à fait normal. Allez, hop, on tricote ça. Quelles sont les grandeurs disponibles pour les pantoufles Barbapapa? Eh bien, tu as beaucoup de grandeurs disponibles. Tu as femme, small, medium, large et tu as aussi pour les hommes. Donc, j'ai fait en sorte qu'on puisse gâter tout le monde. J'ai ma fille déjà qui a choisi son kit. Donc, ma fille est adolescente, donc elle taille femme, small, ça lui va très bien. De toute façon, elle tient quand même bien au pied. Donc, j'ai tricoté, comme vous voyez, le haut des boucles sur l'aiguille, sur ma première aiguille. Je tourne vers le bas. Je vais mettre les boucles sur l'aiguille du dessus. Allez, on rentre. Et je vais simplement tirer maintenant l'aiguille du dessous, qui va être prête pour que je puisse commencer. Alors, quand on fait la deuxième partie, on tombe sur le nœud coulant qu'on a placé au tout début. Eh bien, on le laisse tomber, c'est pas grave. Par contre, faites bien attention, faites en sorte que le fil de la pelote et le fil du nœud coulant se croisent.
D'accord? Faites en sorte que, vous voyez, ça se croise. Ça va se faire normalement assez naturellement, mais ne défaites pas ce croisement. Et maintenant, je vais simplement tricoter les mailles du dessus. Donc, le montage à la turque, il y a deux rangs et il ne compte pas pour le départ. Quand on vous dit monter en Turkish cast on, c'est vraiment, on va faire ces deux rangs pour créer ces mailles. Pour créer ces mailles. Donc, ça ne compte pas pour le rang 1 ou le rang 2, d'accord? Ça, c'est le Turkish cast on. Les mailles sont tricotées et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre qu'est-ce que j'ai obtenu avec le Turkish cast on. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'avais monté 13 mailles et je me retrouve avec 13 mailles sur l'aiguille du bas, 13 mailles sur l'aiguille du haut, et ça va me permettre de partir ma semelle sans qu'il y ait aucune couture. Je vais vous montrer sur la pantoufle. En fait, on est rendu là. D'accord? Donc, on est sur cette partie-là, tout simplement. Après ça, on vous demande, une fois que vous avez monté vos mailles, de faire un rang à l'endroit et ensuite un rang à l'envers. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués avec la Magic Loop, je vais tirer sur l'aiguille du bas et je suis partie. Je vais faire un rang tout à l'endroit. Donc, quand on parle d'un rang, c'est un tour complet. D'accord? C'est pas une aiguillée, c'est toute votre aiguille comme quand on tricote en circulaire. Donc là, j'ai 26 mailles à tricoter à l'endroit. Je suis en point mousse circulaire. Donc, le point mousse, quand on le tricote en circulaire, c'est toujours un rang à l'endroit et puis après un rang à l'envers. Hop! Pendant que je tricote à l'endroit, je n'ai pas besoin de vous montrer, je vais pouvoir regarder. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer le patron des pantoufles France? Tu peux aller simplement sur le site de la maison tricotée, hein, donc lamaisontricotée.com, et tu tapes patron des pantoufles ou patron barba papa, tu devrais le trouver sans aucun problème. Si vous avez des problèmes, la boutique est ouverte aujourd'hui jusqu'à 17h. N'hésitez pas à nous appeler, hein, 514-903-9665 et on va pouvoir vous aider à vous y retrouver. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que pour le Turkish cast on, tout le monde était correct? Alors, je sais que j'en ai plusieurs qui font partie du groupe de l'art des chaussettes. Et donc, dès que Turkish cast on, on en a fait, étant donné que c'est souvent comme ça que l'on va commencer les chaussettes toe-up. Donc, les chaussettes qui commencent par le bout des pieds, ça fait partie des techniques de début de ces chaussettes-là. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier rang à l'endroit sur mon Turkish cast on. Maintenant, donc à chaque fois que j'ai terminé mon rang, je suis ici, je ramène les mailles sur l'aiguille du dessus. C'est vraiment important d'avoir des bonnes aiguilles. Hein. Si vous êtes en train de peiner pour faire une magic loop, dites-vous que vous avez sans doute des aiguilles qui sont pas adaptées pour ça. Et après faire ça, après avoir tricoté ce rang à l'endroit, eh bien, je vais tricoter tout un rang à l'envers. Je vais juste refaire un petit rang avec la magic loop que vous vous retrouviez bien. Pour ceux pour lesquels c'est la première fois. Alors, oui, on travaille avec les deux fils. Pour la démonstration, je ne travaille qu'avec un seul. Je suis là, j'ai terminé mon rang à l'endroit. Donc, regardez, je vais ensuite pivoter l'aiguille que je viens de tricoter vers le bas. Je tire mon fil et j'amène les mailles que je vais tricoter sur l'aiguille du dessus. Ensuite, je vais simplement tirer l'aiguille du dessous pour me permettre de tricoter les mailles du dessus. D'accord? Donc, on appelle ça une magic loop puisque comme vous voyez, ça fait comme des oreilles de lapin de chaque côté. Et ça nous permet de travailler sur des petites circonférences et d'adapter vraiment la circonférence de nos aiguilles à notre projet. Donc c'est vraiment une technique qui est très très pratique, notamment évidemment pour les chaussettes qui sont commencées par le bout des pieds. Voilà. Donc là, j'ai fait mon rang à l'endroit, mon rang à l'envers, j'ai terminé de tricoter
j'ai ramené mon aiguille vers le bas et je vais commencer mon nouveau tour. Si vous avez peur de ne plus vous rappeler où est le début de votre tour, évidemment, un petit truc tout simple, on prend un anneau repère qui s'ouvre, puis on le place au début, comme ça vous savez que vous avez fait le tour complet, histoire de ne pas faire un tour de moins ou un tour de plus. Après avoir fait ces deux rangs-là, on va commencer à faire les augmentations pour la semaine. Alors, un petit dessin juste pour qu'on comprenne la structure de nos pantoufles. Vous me connaissez, j'aime bien qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce qu'on a fait, vous voyez, on a monté nos mailles et puis on va faire une semelle, donc la semelle d'une pantoufle. D'accord, ça ressemble à ça. Okay. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que on va augmenter des mailles. On va augmenter des mailles de ce côté-là et on va augmenter des mailles de ce côté-là. Okay. Donc pour le bout du pied et pour le talon, on va créer en fait comme un espèce de petit triangle au bout et un petit triangle à la fin. Donc on va avoir des augmentations à faire et c'est pour ça qu'on va placer 4 anneaux marqueurs où on va augmenter autour de ces anneaux marqueurs. Donc on va regarder le patron pour bien comprendre. Comment peut-on s'inscrire pour faire partie de l'art des chaussettes? Tout simplement, aller sur le site internet et tu peux t'inscrire au cours simplement en ligne. Donc on est ici, on a fait notre rang droit, notre rang envers, prochain rang. Donc regardez, le rang 1, 3 et 5, nous allons avoir à tricoter une maille en droit. Augmentation intercalaire gauche, je vais la montrer, ne vous inquiétez pas. PM, ça veut dire placer un marqueur. Si jamais vous voyez des abréviations que vous ne comprenez pas, simplement référez-vous au début du patron, vous allez voir que toutes les abréviations sont marquées juste au-dessus, d'accord? Donc, une maille en droit, une augmentation intercalaire gauche, je place un anneau repère, deux mailles à l'endroit, et là, on voit L. L, c'est pour larder. Je vais vous montrer ça. Trois mailles en droit et je répète le lardage et trois mailles en droit 5, 6 ou 7 fois dépendamment de la taille que je vais faire. Donc vous voyez, là c'est les explications du rang 3, c'est pour la taille 1, 3 et 5. Et pour la taille 2 et 4, vous allez devoir vous référer en dessous. Donc regardez bien, lisez bien votre patron. Avant d'aller plus loin, on va aller directement sur les SRAM, parce qu'il va falloir que je vous montre et l'augmentation intercalaire et les SRAM. Alors, les SRAM, c'est vraiment très drôle à faire. On vous conseille toujours de préparer votre petit paquet de SRAM avant de commencer votre tricot, parce que c'est un petit peu plate de laisser son tricot de côté, faire une dizaine de SRAM, faire un rang, laisser. Bon, après, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez faire, mais je vous conseille définitivement de préparer vos SRAM à l'avance. On se met une petite série Netflix ou alors on écoute un podcast, enfin vous faites ce que vous voulez qui peut vous divertir mais qui vous laisse les mains libres. Alors les SRAM, à quoi ça ressemble? Là j'en ai fait quelques-uns pour la cause. Ça ressemble à ces petites choses là, donc on dirait un petit nœud papillon de laine, oups, que l'on va pouvoir incorporer. Alors comment est-ce qu'on fait des SRAM? Voilà ma toison. La première chose qui est absolument proscrite quand on fait des SRAM, c'est ça. Wow, nope, pas de ciseaux. On ne coupe pas dans la toison. Chaque fibre, dépendamment du mouton, a une certaine longueur dans ses fibres. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement, vous prenez vos petits morceaux de barbe à papa, c'est pour ça que je les ai appelés comme ça. Vous isolez un petit morceau. Oups, là, j'ai eu... Voilà, vous isolez un petit morceau et puis vous le prenez du bout des doigts et vous allez simplement tirer. Voilà, donc une fois que vous avez un petit morceau de barbe à papa, vous allez pouvoir, vous allez un petit peu la twister, vous pouvez l'élargir un petit peu aussi. Donc vous voyez mon SRAM là, il a à peu près la taille de ma main, c'est une bonne référence. Vous voyez, il a à peu près la taille de ma main. Quand vous avez fait ça, vous allez simplement le replier sur lui-même. Voilà.
Et ensuite, je le replie en deux. Donc, ça me fait une espèce de petit nœud papillon. Et les écailles, étant donné que c'est pas de la laine qui est traitée en machine, les écailles de ma laine, elles peuvent feutrer ensemble si j'apporte un peu de friction et un peu d'humidité. Donc souvent avec l'humidité des mains, ça va fonctionner. Si vous avez les mains sèches, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau. Et puis, vous allez simplement frotter au milieu de votre petit thread. Voilà. Et comme vous allez voir, ça s'est aggloméré. Ça a comme, ben ça a pas comme, ça a feutré au milieu. On va faire en sorte d'avoir des threams qui sont à peu près de la grosseur de notre laine. Moi, là, c'est un petit peu plus gros. Elles vont être toutes un petit peu différentes, d'accord? J'en ai des un petit peu plus fines, un petit peu plus grosses. C'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est qu'elles soient pas extrêmement dodues. D'accord, donc pour voilà, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Je recommence, donc je prends un petit bout de toison, je me mets au bout de ma toison, je tire. Allez, viens la toison. Voilà, ok. Donc, j'ai un thread qui est à peu près de la taille de ma main. Je vais un petit peu le twister. Et je vais le replier. Donc, c'est quasiment impossible d'avoir des threams qui soient parfaitement pareils. Ok, donc ça, c'est vraiment pas grave. Donc, je l'ai replié comme un petit anneau. Je vais ensuite venir au milieu. Et c'est parti. Je vais simplement faire un petit peu de friction. Le rouler un petit peu au milieu de ma main. Et hop, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de préparer vos threams à l'avance. Combien de threams? Je dirais au moins une cinquantaine pour une pantoufle. On va quand même en avoir besoin de beaucoup. Et comment est-ce que je vais tricoter les threams à l'intérieur de mon... Comment je larde à l'intérieur de ma mitaine? Alors, vous allez voir, c'est tellement, mais tellement facile. On va faire une petite démo, donc je tricote, allez, je vais tricoter 3 mailles, comme dans le patron, d'accord? Là, dans le patron, on vous dit 3 mailles, lardage, 3 mailles, lardage, donc à chaque fois, elles sont espacées de 3 mailles. Donc je suis ici. Après ça, je vais aller installer mon aiguille dans la maille du dessous. Regardez, dans le rang du dessous, j'ai la maille sur mon aiguille, mais moi, je vais aller me rendre au milieu du rang du dessous. Donc on voit bien, je vais me rendre au milieu, hop, je vais aller me prendre un petit thread, je vais l'installer sur mon aiguille avec plus de longueur derrière l'aiguille et je vais simplement l'insérer à l'intérieur. Je vous le remonte, donc je me mets dans la maille du dessous. Je prends mon petit thread avec la plus longue partie derrière et simplement je l'insère en dessous. Après ça, je vais tricoter la maille du dessus. Et dernière étape, je vais venir prendre le thread et je vais le rabattre sur la maille que j'ai tricotée. Voilà. Avant de continuer, je le prends. Et très doucement, hein, je ne terre pas, je vais juste un tout petit peu resserrer. Voilà, ça s'arrête là. Après ça, je retricote 3 mailles. Et là, on me dit le L qui est pour larder. Donc, j'insère mon aiguille dans la maille du dessous. Je vais prendre mon thread. Vous voyez, hop, je vais prendre mon thread, je l'installe, je le fais passer par en dessous. Après ça, je tricote la maille du dessus et je vais simplement rabattre mon thread par-dessus la maille que je viens de tricoter et doucement, je retire. À
Allez, on en fait un dernier juste parce que c'est vraiment très très sympathique de faire ça. Vous allez voir, c'est très addictif. Allez, je vais faire sur la deuxième maille parce que j'ai plus de... Je vais plus avoir de mailles. Ok, donc je me mets dans la maille du dessous. J'attrape un petit thrum. Je le place sur mon aiguille. Je le fais passer à l'intérieur. Après ça, je vais tricoter la maille du dessus et je vais rabattre ensuite le thrum par-dessus. Et après, hop, je tire un tout petit peu et je termine. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça va faire des espèces de petits... voilà, ça fait des mailles qui sont bien sûr un petit peu plus grosses, c'est pas grave. Et sur le rang suivant, là on est en rond, mais ça se tricote très bien, d'accord? C'est pas un problème. Hop. Quand vous allez tomber, voilà, vous allez voir, vous ne tricotez pas des thrums, vous tricotez des mailles normales. Elles sont simplement incluses dans notre tricot. Camille qui écrit, tu fais quoi de tes soirées? Des lardons devant Harry Potter. Oui, on est tellement dans le temps où on va se regarder des Harry Potter, je suis d'accord avec toi. Martine qui marque, une soirée juste pour les lardons. Voilà, une soirée de lardonnage. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Elles sont toutes un petit peu différentes. Est-ce que c'est dramatique? Non, alors là je vous l'explique tout de suite. Ce n'est absolument pas dramatique que vos mailles soient un petit peu différentes. Comme vous voyez, là j'en ai une un peu plus petite. Là j'en ai une un petit peu plus grosse. Franchement, ça ne va pas faire de grosses différences. Simplement, faites en sorte que vos lardons ne soient pas extrêmement gros ou extrêmement fin. Mais vous voyez, ça va vraiment comme complètement doubler votre pantoufle avec à l'intérieur de la... comment on dit quand c'est fourré avec de la toison d'agneau. C'est exactement ça. As-tu fait un échantillon de ta laine avant de débuter tes pantoufles? Quelle grosseur est ta laine pour faire tes pantoufles? Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est donc la Casa que j'ai doublée. Puis, dans le patron, tu vas avoir l'échantillon. Je vais te donner ça immédiatement. Ton échantillon avec les deux fils tricotés en double, ça te donne 14 mailles et 22 ronds. Donc, si tu voulais remplacer la Casa, tu peux prendre soit deux fils worsted, donc des fils qui font 200 mètres au 100 grammes, ou tu peux aller chercher ce qu'on appelle un fil chunky ou même bulky qui fait 14 mailles, 14 mailles et 22 rangs. Voilà. Peux-tu expliquer la taille sur le patron XS qui équivaut à 20-21? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 20-21 sur une taille quand on parle de chaussettes ou quand on parle de pantoufles? Eh bien, c'est la circonférence de votre pied sur la partie la plus large. Normalement, hop, on va prendre... Voilà. Donc, normalement, sur un pied, on va toujours aller chercher la circonférence à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'os de l'orteil, avant que l'orteil commence. Donc, c'est vraiment la circonférence qui est prise autour de cette partie-là. Oups, donc autour de cette partie-là, autour de la partie la plus large du bout du pied. Donc, quand on marque XS égale 20-21, c'est que quand vous mesurez votre pied à cette partie la plus large, vous devez trouver entre 20 et 21 cm. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue sur la semelle? Pendant ce temps-là, je vais me prendre un petit verre de thé. Juste voir si vous aviez des questions. Non, les tailles ne sont pas basées sur la longueur du pied. Là, par rapport à ces pantoufles-là, c'est un peu comme des chaussettes. C'est par rapport à la circonférence de ton pied. Là, je suis à peu près sûre, étant donné que c'est moi qui ai écrit le patron.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je remontre avant de continuer? Je vais sortir mes petits anneaux repères à tête de chat. Est-ce que le kit de laine fait toutes les grandeurs? Non, le kit de laine est pour les femmes. Il faut que tu nous écrives pour faire des kits de laine pour les hommes. Peux-tu, CVP, faire un mini Magic Loop 101? L'aisance négative, ne vous inquiétez pas, je la prévois quand je te donne la circonférence et que je fais le patron, c'est que ça va y avoir une aisance négative prévue pour ça. C'est inscrit longueur du pied dans le patron. À une longueur de pied. C'est une erreur, c'est une circonférence de pied. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux faire un mini Magic Loop 101? Écoute, ça va sortir un petit peu de... Parce que j'ai jamais travaillé en Magic Loop. Alors, attends, on va essayer de faire ça rapidement. Tididou, tididou. Ok, on va prendre ça. On va essayer de faire un petit crash course. Parce que j'imagine que tu n'es absolument pas la seule qui doit se retrouver dans ce cas-là. Donc, on va faire un mini crash course. Mais sinon, sache que je suis sûre qu'il y aura des bons tutoriels. Mais je ne veux pas vous laisser. Voilà. Donc là, tu vois, je vais juste monter mes mailles. Ouh, je vais pas avoir un fil assez grand. C'est pas grave. Je suis sûre qu'on va... J'ai pas beaucoup de mailles. Je suis sûre qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. On va essayer. Donc, hop, je vais juste faire mon premier. Là, tu vois, quand tu fais de la Magic Loop, il faut toujours que tu aies une aiguille qui fasse au moins 32 pouces. Tu vois, là, mon aiguille fait 24 pouces, puis je vais peiner un petit peu. Donc, j'ai tricoté mes premières mailles. Dans la Magic Loop, quand tu as tricoté tes mailles, tu vas toujours pivoter vers la gauche. Donc, l'aiguille où tu viens de tricoter se retrouve vers le bas. Et simplement, tu vas ensuite insérer tes mailles qui étaient en attente sur l'aiguille du dessus. Tu tires l'aiguille du dessous, tu enlèves, c'est un... Voilà. Et simplement, voilà, ça c'est à travailler avec des aiguilles qui sont pas faites pour le Magic Loop, c'est pas grave. Donc regarde bien, dans le Magic Loop, vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Quand tu as tricoté toutes les mailles de ton aiguille, donc ton aiguille maintenant, tu vois, était sur le dessus. Tu pivotes vers la gauche. Tes mailles ici, tu les réinscris sur l'aiguille du dessus. Et tu vas tirer l'aiguille du dessous. C'est vraiment, vraiment simple comme technique. Ça demande un petit peu plus de manipulation qu'avec des doubles pointes ou avec une aiguille circulaire de petite circonférence, d'accord? Mais ça va vraiment te sauver la vie dans plein de circonférences, de situations. Donc tu es ici, je me place vers le bas, je tire, etc., etc. Peut-on utiliser le... Peut-on utiliser cast on au lieu du Turkish cast on? Non, on ne peut pas utiliser un autre cast on. À la rigueur, tu pourrais utiliser un Judy's Magic cast on, mais non, tu es obligé de faire un Turkish cast on puisque c'est un montage magique qui fait que tu te retrouves avec en fait, tu te retrouves avec quelque chose qui est déjà en rond, d'accord? Donc non, il faut que tu fasses le Turkish cast on. En plus, je te promets, il est tellement facile, le Turkish cast on, que mets une flèche de plus à ton arc. Voilà. Ok, donc je reviens maintenant sur les histoires d'augmentation de notre semelle. On était ici, on va le faire ici pour la taille 1. Hop, donc rang 3 parce qu'on vient de faire un rang droit, un rang envers, donc on est au rang 3. Faire une maille en droit, une augmentation intercalaire gauche, placer une maille en droit, deux mailles en droit et on va commencer à répéter le lardage. Donc dans le cadre de la semelle, on va uniquement travailler avec des augmentations intercalaires gauche. Il n'y aura pas d'augmentation intercalaire droite, donc pas d'augmentation intercalaire qui sont miroirs, une gauche, une droite. Pourquoi cela? Parce que l'on est en point mousse. Vous voyez,
on fait un rang d'augmentation et après on fait un rang à l'envers. Donc franchement, nos augmentations, elles sont pratiquement invisibles. Se casser le pompon à faire des augmentations intercalaires qui sont gauche et droite, anyway, cela ne va pas se voir à travers le point et en plus on a nos strums. Donc on ne va pas s'embêter à faire des... On ne va pas du tout s'embêter à faire des augmentations intercalaires miroir, étant donné que ça va se perdre là-dedans. Mon chandail semble très confortable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Shifumi de Alice Hammer. Shifumi, attends, je vais te l'écrire. Je porte. Ça fait des années que je l'ai. Je l'adore. Donc, c'est le Shifumi. Voilà, Shifumi de Alice Hammer. C'est un patron qui est en français et en anglais. Et je l'ai tricoté avec le mohair de la maison tricotée, la Madi. Il ne me reste plus beaucoup de couleurs, mais il me reste encore un petit peu. Voilà. On ne prend pas les deux balles en même temps quand on a le kit. Si on prend les deux balles en même temps, comme je disais tantôt, je ne prends qu'un fil parce que je suis en démo, d'accord? Mais oui, vous allez tricoter avec les deux fils en même temps. Ok. Ça y est, j'ai perdu. Oui, on était parti sur les augmentations intercalaires gauche. Donc, un petit rappel rapide sur les augmentations intercalaires gauche. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je pense que pour tous ceux qui ont fait les mitaines amantines, vous avez maintenant vraiment pratiqué vos augmentations intercalaires gauche et droite. Mais peut-être que j'ai des personnes qui nous rejoignent juste pour les pantoufles ou qui nous découvrent sur YouTube. Donc, vous allez avoir absolument toutes les... Vous allez avoir absolument toutes les informations. N'hésitez pas quand vous vous demandez ce que je suis en train de porter. Mais oui, c'est le moment où je peux enfin sortir tous les tricots. Ça fait tellement du bien. Ok, augmentation intercalaire gauche. Donc, un petit rappel, vous pouvez bien sûr retrouver cette démonstration sur la chaîne YouTube de la maison tricotée. J'en ai fait une juste pour les augmentations intercalaires. Donc, une augmentation intercalaire, ça se fait dans le petit fil intercalaire qui est ici. Avec mon aiguille de gauche, je vais simplement relever ce fil en passant de l'endroit de mon tricot vers l'envers. Donc ça me rajoute une maille sur mon aiguille de gauche. Maintenant, cette maille-là, si on la regarde de près, nous avons une grande patte et nous avons une petite patte derrière. Quand on fait une augmentation intercalaire, on tricote toujours la petite patte et... Voilà, toujours la petite patte. Et dans le cas de l'augmentation intercalaire gauche, la petite patte est toujours derrière. Voilà, donc hop, je vais simplement aller chercher. Je m'aide, vous voyez, je m'aide avec mon doigt pour qu'elle reste en place. Donc, je vais la chercher comme ça. Vous pouvez aussi, dans le cas de l'augmentation intercalaire gauche, insérer l'aiguille de droite à l'intérieur devant et faire le tour. Voilà. Et je vais venir simplement la tricoter. Voilà. Donc ça me donne une nouvelle maille qui ressemble à un petit nœud avec un fil qui passe par-dessus un autre. Et comme je peux le voir, il part vers la gauche. Donc c'est vraiment tout simple. Je ne vais pas le montrer plus étant donné que vraiment vous pouvez aller voir le tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc je vais laisser là pour le moment. Donc si je regarde dans mon patron, le rang 3, je commence, je fais donc une maille à l'endroit, hop, je vais resserrer un peu ici, donc je vais faire une maille à l'endroit, après ça, augmentation intercalaire gauche, donc hop, je vais m'aider avec mon aiguille droite pour que mon aiguille gauche s'insère correctement, hop, je resserre, je fais mon augmentation intercalaire gauche, après ça, je prends un de mes petits anneaux repères à tête de chat, je place mon adorable petit marqueur et après ça, je vais tricoter deux mailles en trois. Et va commencer le motif de lardage qui se fait aux trois mailles. Donc, une fois que j'ai fait mes trois mailles, on me met un grand L qui est pour larder. Donc, je prends un petit lardon. Comme on se rappelle, je vais me mettre dans le rang d'en dessous. Et je vais insérer mon petit lardon. Viens là toi, hop. Celui-là, c'était un gros dodu. Je tricote ensuite la maille du dessus.
et je vais venir rabattre mon lardon. Et ensuite, un petit coup. Voilà. Donc, je viens de la larder. Après ça, 3 mailles à l'endroit. Et là, on me dit qu'il va falloir que je répète larder 3 mailles endroit entre 5 à 7 fois. Donc, 5 fois si je suis sur la taille 1, 6 fois si je suis la taille 3 ou 7 fois si je suis sur la taille 5. Une fois que j'ai fait mes répétitions, je termine par un lardage, une maille endroit, je place un nouvel anneau repère, je fais une augmentation intercalaire gauche, une maille endroit, et là vous voyez qu'il y a un petit astérix. Le petit astérix, c'est pour nous ramener au premier qui est là. Parce qu'on me dit répéter une fois encore à partir de l'astérix. Nous avons augmenté 4 mailles. Ben oui, regardez, une augmentation intercalaire gauche ici et une augmentation intercalaire gauche là. Et comme je le répète encore une fois, ben, ça fait 4. Donc je me retrouve avec ce nombre-là de mailles. C'est le même principe ici. On se fait un petit dessin juste pour... Pourra-t-on avoir le patron taille enfant ? Non, j'ai pas écrit le patron taille enfant juste parce que le lardage, c'est quand même, ça prend beaucoup de place à l'intérieur. Et puis c'est de la laine assez grosse, donc ça ferait, voilà, ça ferait quelque chose de... Voilà, j'ai pas réussi à trouver un bon moyen de faire une taille enfant, donc je me suis limitée à la taille adulte. De quelle manière on peut laver ses pantoufles avec des lardons? Eh bien, c'est de la laine, d'accord? Que ça soit la casa ou la laine cardée, c'est de la laine. Donc, simplement, vous allez laver ça à la main, sans doute avec de l'eucalan. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. J'en ai à la boutique tout le temps. Hop! Donc, une solution lavante pour la laine. Oups là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Une solution. Oups, c'est vrai qu'il aime... Il va y arriver, il va focusser. Bon, il va pas focusser, c'est pas grave. Donc, une solution de lavande pour la laine, on met la pantoufle dedans, on attend 20 minutes. Donc, le calan, c'est très peu. Hein. C'est une cuillerée à thé dans 4 litres d'eau. Vous mettez ensuite la pantoufle, les pantoufles dans l'eau. Vous attendez 20 minutes. Puis ensuite, vous sortez les pantoufles et simplement, vous allez extraire l'eau et vous laissez sécher. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr. On ne laisse jamais sécher juste à côté d'un radiateur. La laine se dessèche, hein, on le laisse sécher un petit peu plus loin. Si vraiment votre pantoufle est très très sale, on s'entend que c'est des pantoufles, vous pouvez aussi utiliser du savon de Marseille et rincer doucement. Mais c'est de la laine, c'est pas parce qu'il y a du roving que tout d'un coup, ça devient quelque chose d'inlavable. Ok, hop, je vous ai parlé de d'un petit dessin. Donc, ça, attendez, ma caméra, voilà. Donc, ça, c'est mon aiguille 1. Ça, c'est mon aiguille 2. Donc, le rang que l'on va faire, regardez bien. Je commence, je fais une maille à l'endroit. Après ça, je fais mon augmentation intercalaire gauche. On vous demande, après ça, de placer un petit anneau repère. Donc, je place un anneau repère. Puis, on va faire... là, je vais faire donc les tailles 1, 3 et 5, mais c'est le même principe. Je fais deux mailles endroit. Après, je vais répéter un motif qui est entre parenthèses. Donc, regardez, mon motif qui est entre parenthèses, c'est je larde une maille et après ça, j'en tricote 3. Et ça, c'est... ça c'est une fois, mais on me demande de répéter cette parenthèse un total de 5 fois pour la taille 1, 6, 7, dépendamment des tailles. Donc une fois que je l'ai fait, je le répète encore une fois. Donc je larde, 1, 2, 3, donc ça c'est ma deuxième fois, etc. etc. D'accord ? Donc ça, je vais le répéter un total de 5 6 ou 7 fois, dépendamment de la taille que je vais faire. Puis après ça, je vais manquer d'espace. Après ça, j'ai un lardage, puis j'ai une maille à l'endroit. Je dois placer un nouvel anneau repère. Après ça, j'ai une augmentation intercalaire gauche. Puis une maille à l'endroit. Donc ça, c'est la première phrase et on me demande de la répéter. Donc je répète exactement ça sur mon aiguille numéro 2. Donc ça va être, bon, je ne vais pas tout refaire, mais une maille endroit, augmentation intercalaire gauche, un anneau repère et
2 mailles à l'endroit et je répète mon petit motif entre 5, 6 ou 7 fois dépendamment de la taille que vous allez faire, 5, 6 ou 7 fois. Vous terminez par une maille lardée, une maille à l'endroit, un anneau repère, une augmentation intercalaire gauche et une maille en droit. D'accord ? Donc on regarde bien, j'ai bien 4 mailles augmentées, 1, 2, 3, 4. J'ai donc mon motif au milieu et puis j'ai 4 anneaux repères et je vais augmenter en fait de chaque côté de ces anneaux repères. Est-ce que je suis claire ? Est-ce que vous comprenez bien le patron par rapport à ça ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça va permettre aux gens de la retrouver plus facilement et nous donner de la visibilité. Puis plus on est fou et plus on s'amuse. Tout va bien ? Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est très clair, merci Martine. Et encore une fois, c'est pas parce que les gens disent que c'est clair pour vous, donc vous demandez et j'essaye de spécifier ou de clarifier mon propos. Parfait. Si vous avez des choses qui tout d'un coup sont un peu moins claires plus tard, n'hésitez pas à revenir sur ce que j'ai dit au début et on y reviendra. Parfait. Donc, on est ici. Choisissez bien la taille que vous allez faire. Et vous voyez bien que ce qu'on vous dit, vous avez un rang d'augmentation, mais que sur les rangs pairs, vous allez avoir toujours des mailles à l'envers. Donc, c'est un rang en droit, un rang envers. Attention de ne pas vous tromper. Donc, regardez bien. Ça vous est expliqué rang après rang, selon les tailles, mais c'est toujours le même principe. Donc par exemple ici, au rang 5, cette fois-ci je commence avec 2 mailles en droit, je fais mon augmentation intercalaire, et là je vois GM. Alors GM ça veut dire quoi? C'est glisser l'anneau repère. Alors des fois, oui ça ressemble à un jeu. Des fois les gens panique un petit peu en me disant « mais maintenant que j'ai un anneau repère dans la laine, surtout quand c'est la première fois que vous utilisez des anneaux repères, vous vous demandez ce que vous allez faire avec. » Donc, j'ai terminé mon aiguille, je bascule vers le bas. Je vais juste vous montrer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des anneaux repères. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez installé, ce n'est pas parce que vous avez installé un anneau repère dans votre tricot, qu'il se retrouve là, coincé à vie, et que vous avez besoin d'un budget anneau repère gigantesque. Absolument pas. Un anneau repère sur une aiguille, ça se glisse et ça s'enlève. Simplement, ça met comme des petits repères pour savoir où est-ce qu'on travaille. Donc, quand je suis là et qu'on vous dit glisser un anneau repère, vous voyez mon anneau repère il est ici, j'ai juste à faire ça. C'est tout. C'est ça, glisser un anneau repère. Vous avez vu, hein, chaque fois que je commence un nouveau rang avec ma Magic Loop, je tricote ma maille et après je resserre un petit peu pour éviter des espaces qui se créent évidemment entre les deux aiguilles, ce qu'on appelle des échelles. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est ce que je vous ai montré au rang 3, c'est exactement ce qui va se passer ici. Vous pouvez simplement suivre vraiment en étant très, très concentré sur ce que vous faites, mais vous allez simplement suivre. Vous remarquerez que ce qui est expliqué, hein, c'est les rangs 5, les rangs 7, les rangs 9. Donc, vous ne demandez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les rangs 6, 8, etc. On ne va pas vous le redire à chaque fois. Sur les rangs pairs, vous faites un rang envers. On ne va pas à chaque fois marquer « faites un rang envers », on vous le dit une fois. Donc, faites attention quand vous lisez votre patron. Ne passez pas du rang 5 au rang 7, au rang 9. Il va vous manquer des rangs et ça va être très serré avec des swims très serrés. Donc, faites attention, c'est très important de tricoter vos augmentations un rang sur deux.
Oui, Martine, ils sont adorables, les petits chats. Oui, je les adore. C'est vraiment très, très cute. Donc, une fois que nous avons tricoté jusqu'au rang 9 pour toutes les tailles, on obtient un total de 68 à 84 mailles et vous allez faire ensuite un rang envers. On a terminé sur un rang en droit, rang 9, on va tricoter un rang envers. On va se voir, est-ce que... Oh, non, on peut continuer pour le dessus du pied, on fera le tour du pied, on fera le dessus du pied la semaine prochaine. Donc, pour le tour du pied, qu'est-ce qui va se passer? On vous demande de tricoter deux rangs tout à l'endroit, donc on ne va pas larder. Et on va enlever tous les marqueurs sauf celui du début du rang. Donc normalement, hein, vous avez marqué où était votre début du rang, vous le gardez simplement pour savoir où vous commencez. Et on va tricoter 7 rangs au total, tout en jersey. Alors attention, maintenant on est tout à l'endroit, on a terminé le point mousse, on va le revoir sur notre semelle. Puis larder le tour du pied ainsi. Rang 1, larder, 3 mailles en droit, et je répète sur tout le tour. Et je tricote après 2 rangs à l'endroit. Donc un rang lardé, 2 rangs sans lardage, et on n'est que en maille en droit. Rang 4, 2 mailles en droit, lardage. Bon, simplement, vous répétez ce qui est ici. Ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que notre semelle, comme vous pouvez le voir, c'est du point mousse, et comme on est en circulaire, on fait un rang en droit, un rang envers. Vous voyez, si j'étire un petit peu mes rangs, vous pouvez le voir, vous pouvez voir votre maille en droit ici, et après votre maille envers. Donc un point mousse à la base, c'est une alternance de rang en droit et rang envers. Quand on est en aller-retour, ça se fait tout seul. Mais quand on est en circulaire, il va falloir faire ces alternances-là. Quand vous avez terminé donc cette partie de la semelle, on se retrouve pour le tour du pied qui est cette partie ici, et comme vous pouvez le voir, il n'y a que des mailles à l'endroit. Donc tous les rangs vont être tricotés à l'endroit, mais vous avez juste à suivre les explications. On larde aux 3 mailles et ça va se partir en quinconce. Et on va s'arrêter là. On s'arrête là. Moi, vous avez des devoirs qui vont être de travailler et de tricoter jusqu'à arriver à la fin du tour de pied. Si possible, de poster aussi les photos des kits que vous êtes en train de faire. On veut voir les couleurs, on veut voir ce que ça donne. C'est toujours vraiment tellement intéressant. Sylvie qui me dit: Josette et moi sommes en direction Rivière-du-Loup pour Festival de la Petite Laine. Ah, je suis jalouse! Sylvie, je suis jalouse. Avant qu'on se quitte, je voulais vraiment vous montrer les merveilles que vous avez fait la semaine dernière avec les mitaines Amandine. Alors, je vais vous partager un petit peu, bon, il n'y aura peut-être pas tout, mais j'aimerais vous partager ce que vous avez tricoté. Peux-tu, CVP, nous dire la taille de pantoufle que tu as fait et ta taille de chaussure? Bien sûr, j'ai fait la médium. Moi, je fais un 39-40, donc un 9 en canadien, un 39-40 je vais y arriver, 39-40 européen. Donc, je fais la taille médium. Moi, bon, voilà, je fais la taille médium. Cours de basse Moki, merci France, merci. Donc, l'art des chaussettes, qu'est-ce que c'est? L'art des chaussettes, c'est un cours en ligne, c'est un cours qui est payant. Et chaque mois, je vous propose de faire une paire de chaussettes avec moi qui a des petits défis. Pour le mois d'octobre, c'est une paire de chaussettes avec des torsades. Mais le plus intéressant, eh bien, c'est que nous allons faire un Afterthought Heel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Afterthought Heel? Ça veut dire que l'on va tricoter le talon une fois que la chaussette est terminée. Et oui, pas de rang raccourci, vraiment aucun. On va venir, en fait, défaire des mailles en plein milieu de notre semelle pour refaire un talon. Quel est l'avantage, quelque part, de faire un Afterthought Heel? Alors, déjà, ça vous permet de faire un talon contrastant qui va être complètement, vraiment très très beau, très contrastant. Vous n'avez pas un peu le problème des talons à l'allemande où on n'a qu'une partie du talon qui est fait avec la couleur contrastante, bref. Un autre super, super avantage, il n'y a pas de rang raccourci, pas de wrap ou pas de diminution de chaque côté. Et enfin, un talon qui est merveilleux pour les gens qui usent le talon de leur chaussette à la vitesse grand V, étant donné que c'est un talon qu'on appelle un talon rajouté. Nous pouvons le détricoter, reprendre les mailles,
et refaire un talon après. Donc c'est vraiment le type de chaussette où on peut toujours refaire le talon jusqu'à ce que ça soit autre chose qui lâche. Mais en tout cas, le talon est quelque chose qui peut se détricoter et se refaire. Voilà, donc ça va être pour l'art des chaussettes du mois d'octobre. Ça commence, je crois, le 13 octobre, mais j'ai pas mon téléphone sur moi. Vous pouvez aller voir tous les détails sur le site internet de la maison tricotée. C'est les Smoky Cable Socks. C'est un cours en ligne, c'est un cours qui se passe en 3 sessions. C'est un cours qui, étant donné qu'il est en ligne, vous pouvez revisionner quand vous voulez et qui coûte 45 $. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup, France, pour le rappel. Comme je te dis, j'allais l'oublier. Maintenant, je vais vous partager vos créations. Alors, on commence sur Slack. Regardez bien, Hélène a fait dans la belle couleur... C'était la couleur du patron original. Il reste même plus de laine, ça s'est parti tout seul. Voilà, donc ça c'était les très très belles mitaines de Hélène. Après, j'ai celle de Nadia, que j'aime beaucoup aussi. Puis c'est intéressant, Nadia, eh bien elle a cousu ses boutons en nacre, mais elle les a cousus de l'autre côté. Donc c'est vraiment chouette parce qu'avec cette petite couleur naturelle, eh bien c'est vraiment un choix esthétique que j'aime beaucoup. Ensuite, je cherche des mitaines complètes. Celle de Louise aussi, très très belle couleur. Un beau mauve, vraiment superbe. J'adore ta photo, Nadia, avec la tasse de thé. Celle de Monique, un beau petit vert forêt que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et voilà, ça c'était pour Slack. Sur Facebook, celle de Annette dans ce magnifique petit brun. Voilà, et c'est pareil, qui a fait le choix de mettre ses boutons de nacre sur la partie arrière. Et ça fonctionne très très bien avec cette couleur naturelle. Vraiment, c'est très joli. Attends, j'ai deux... Voilà. Et là, Muriel qui les a faites dans cette couleur, cette belle couleur châtaigne avec des petits boutons de nacre Akoya en cuivre. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Et puis Andréane qui a commencé sans nous les semelles. Isabelle aussi, la couleur naturelle. Vraiment très très jolie. Totem Penseur qui les a fait dans la couleur trésor. Et c'était sa première paire de mitaines en plus. Catherine dans ton beau petit rose. Rose framboise. Voilà les amis, Martine dans le beau petit rose de la couleur. Marie-Christine, j'attends de voir ce que ça va donner dans ce jaune soleil. Liette dans un beau bleu marine. Martine dans le petit rose. Et je crois que Christine... Voilà, je crois... Oh non, Sylvie, c'est vrai que j'avais vu, c'était une des premières qui avait terminé dans ce petit gris mauve, très très joli. Ben voilà. Voilà, voilà. Merci Martine, me dit l'art des chaussettes d'octobre, ça se passera du 19 octobre au 2 novembre. Merci beaucoup, j'ai des gens, heureusement que j'ai des assistantes dans mon groupe, ça m'aide beaucoup. Donc ça sera voilà du mercredi 19 octobre, c'est des cours qui sont tous les mercredis à 11h11 en live, mais vous pouvez bien sûr aller les revoir en différé, puis la communauté dans l'art des chaussettes est vraiment une communauté très très sympathique. Donc c'est ça, n'oubliez pas que après les pantoufles Barba Papa, on enchaînera sur le bérès Terraine de Elong avec Anna, donc je vous... écrit le nom du patron. C'est un patron qui est aussi en français et en anglais. Donc, c'est le béret Steren qui va aller magnifiquement bien avec nos petites mitaines. Donc, Steren Beret, Elong avec Anna. Vous pouvez trouver le patron
sur Ravelry. Puis nous avons fait quelques kits, mais n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous aimeriez trouver des couleurs un petit peu plus flyées, ou si vous aimeriez essayer quelque chose, si vous voulez plus d'options, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Voilà. Bon, ben, si c'est bon pour vous, je vais vous souhaiter une excellente journée, un très très bon lardage, une bonne soirée à faire des lardons. Et je vais vous dire à dimanche, sans doute pour plusieurs d'entre nous, puisque nous allons commencer le cardigan Maja et le cardigan Budding dans le cours des 4 points cardinaux. Donc encore une fois, un cours communautaire qui est gratuit. Et sinon, ben, je vous retrouve vendredi prochain. Voilà. À très bientôt tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. À dimanche. Bye bye.